Du coup, pour maintenant passer à aujourd'hui, il y a Jumptown, il n'y a pas de Jumptown. Moi, j'étais même pas au courant. Je pensais à la base que c'était samedi. En fait, j'ai appris hier que c'était aujourd'hui. Mais si j'ai plus ou moins compris ce qui va se passer, ça va commencer vers 8-9 heures chez vous, quoi. Donc moi à cette heure-là, je serais couché depuis longtemps. Mais c'est pas grave, puisque Jumptown, on ira demain. Et par contre, aujourd'hui, on a plusieurs trucs prévus au programme. Une connerie, entre autres, qui a découvert Psycho et dont il me parlait hier. Et c'est pour ça que vous me voyez tout nu. C'est une connerie pour fouiller les mecs qui sont à Grimex. On va vous montrer ça. Falloir qu'on chope un lit. Ouais, toi t'es équipé. Bon, alors laisse tomber, je vais m'en occuper, Y'a un mec qui est mort juste à côté du pieu, quoi. J'y vais, mais j'ai peur. Vas-y, pousse. Bon, pour l'instant, toi, l'air... Non, et voilà. Allez, vas-y. Pousse. Allez. Ah, il veut pas bouger. Pourquoi il veut pas bouger ce con? Je vais crever. Ah, pour l'instant ça va. Non, c'est bon. Mais il y a personne sur le serveur. Enfin, du moins il y a personne à Grimex. Il y a du monde sur le serveur, mais pas à Grimex. Ça discute dans le chat. Ah, ça y est, y a un mec qui arrive. Ah shit, I'm stuck. Tiens le galard. Hey man. Do you help? Please. Just maybe try to move it. Vas-y. Est-ce que ça marche? Ça marche pas, ça le bute pas, hein. Ah, la gueule de mon perso, comment le mec il a l'air d'être au bout de sa vie. Je suis dans la salle de bain, c'est pas moi, ok. Non, ça le bute pas. Ça marche plus. Je serais d'avis qu'on change de serveur. Ils n'ont pas l'air buggés ceux-là. Bah vas-y, ouais, vas-y. C'est bon, je meurs. Parfait. Ouais, ok. Bon. Ok. Celui-là, c'est le bon. Ok, alors je l'emmène. Ah, c'est débile, mais qu'est-ce que ça me fait rire. On a le bon, ok. Ouais, c'est clair, c'est débile. Mais c'est trop drôle. Ah! Y'a un mec. Nous avons un gagnant! Hey man! Je suis en train de trimballer un cadavre. Salut! Hey Ding! Nice day! Oh là, lui il va crever. C'est con par contre parce que c'est pas le mec qui a du matos quoi. Non, il meurt pas. Ah, what the fuck, ça meurt! Ah si, c'est bon, il est mort, vas-y. Je le traîne pendant que l'autre regarde pas. Hey man! Qu'est-ce qu'il fait? Non, il veut le bouger avec son tracteur vie. Ah non, c'est bon, il l'a relevé. Ah, c'est peut-être son pote. Bon, il a vu l'autre mourir. Il l'a pas vu parce qu'il était à l'ESOPS, le type. Et il part vers son vaisseau, fait chier. Mais il a dû se douter, bon je veux dire, faut pas être non plus, pas non plus avoir inventé la lune, quoi. Le truc c'est qu'il faut être deux habillés et un qui reste en medical glow, quoi. Ouais. J'entends un mec qui bouge. Et il arrive, il est là. Ah ouais, derrière, un peu plus loin. Il est en blanc. Ouais, il est en blanc, je t'avais dit ah ça. Ouais, non, il est en Bambi, quoi. Ah ouais. Non, il nous fait des mecs avec du matos, là. Ah là là. Pas de chance. Faudrait qu'on voit un mec arriver tout bardé carrément avec un railgun et tout. Le type avec les cloches pleines de munitions, quoi. Continue, le mec regarde le lit. Vas-y, continue. Ok, je me pousse. My friend, help me. I'm so sick and I'm locked on the bed. Le pire, c'est que je vois personne, moi. Non, le mec est parti. Le mec, quand t'as parlé, il est venu voir vite fait ce qui se passait, puis il est reparti. Oh, un truc. Ouais, y'a un mec avec une canne. Un mec avec une penbroke.
Et et juste à côté. Help me, my friend. Help me. Parle-lui du lit. Push me, please. Oh yeah, hi you. Can you push me, please? Yeah, I got it. Nice job, my friend. Push me, please. I'm locked. Where? Merde, il meurt pas ce con. Merde, il meurt pas. Putain. Ah, il meurt pas lui, il fait chier. Je me demande si c'est pas quand le lit passe en position basse. Ah, quand il est en bas. Je me demande, franchement, tout à l'heure j'ai vu le même truc. Oh, thank you my friend, it's okay, thank you. Perfect. What the fuck are you doing with our bed right here? C'est de la science aujourd'hui hein. Ouais c'est ça. C'est de la science. Je suis dessus, est-ce que ça remonte? Disons que c'est de la science avec un certain, comme un certain but. Qui serait de pouiller des mecs quoi. Mais alors évidemment comme on est toujours ultra verni, déjà il y a personne. Et d'autre part évidemment dès qu'il y a un mec qui le prend, le type meurt pas quoi. Parce qu'il est en bas, t'as raison. Ce qui fait qu'il nous tue, c'est quand il est en haut le lit. Et en fait vu qu'il est bugué, là il remonte plus. Donc c'est ça qui fait que le truc bug. Ouais c'est ça. En fait tout ça tu sais à quoi ça me fait penser. Au plan du coyote dans Bip et Coyote. C'est ça. Toujours les super méga plans et tout avec le rocher au-dessus de l'autoroute et tout pour quand Bip Bip passe. Et évidemment, à chaque fois qu'il y a un truc, chaque fois que Bip Bip passe, en fait, il ne se passe absolument rien. Voir le coyote tombe dans un ravin. Oh, ça doit lui faire bizarre d'avoir deux stripteaseurs tout nus à côté de lui pendant qu'il est en armure. Ah ouais, il y a plein de mecs. Ah, il est juste là. Ouais. Wouhou! Hey! Ça va aller, push me? Pas un mec en vent, pas un mec en blanc. Come on! Ride to live, live to ride! Non, bah non, me pousse pas, Flo. I can interact with the bed. Can someone else try, please? I cannot interact with the bed. Attention. Malin. Des crèves. Yeah. Crèves. Allez. vite, chopez-le. Loot tout. Non merde, j'ai fait un vide tout parti, je veux pas l'inviter, putain. Loot. Hop. Voilà. Allô, bien Tac. Joué. Voilà. Les gros chacals, tu sais. C'est clair. Ah, ça veut pas marcher parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de le looter en même temps. Ouais, c'est ça, il est déjà looté. Allez, c'est moi, je suis dessus. Ok, bien joué. Hey. Franchement, ouais, c'est vrai que ça aurait été encore mieux. Pour avoir déjà cherché des balistas vus du ciel et des balistas qui tirent pas et tout. Quand, en fait, c'est les torpilles souvent qui te. Oui, ça la fait traîner. Bah, puis la traîner quoi. La traîner. Ah bah ouais, clairement. Oui. Bah oui. La tourelle, c'est ta... Oh là, ça tombe. Oh là, ouais, ça tombe. Oui. Qu'est-ce que c'est? Mais ils sont bien occupés, franchement. On peut encore approcher là. C'est vrai qu'ils ont l'air d'être bien occupés. Là, la prochaine colline peut être pas mal. Hein. On est vraiment prêt là, par contre. Hein. Ouais. 1200 mètres. Tu vois, il y a du Gladius là-bas. Après, Cyclone et moi, on va au corps à corps. Hein. Donc vous, c'est peut-être juste... Mais tu vois, j'ai peur aussi, par exemple, de se prendre du... Ça drop. Ah ouais, ça drop à mort, là. S'il y a une bombe de A2, j'ai peur que la balista soit prise... Que nos balistas soient prises Mais c'est pour ça qu'on... Mais non, mais c'est pour ça qu'on va pas la mettre sur l'avant-poste, mais vraiment à côté. Attendez, c'est quoi, ça? Juste sur nous, à 815 mètres. C'est possible qu'il nous ait vu. Oui, c'est... Je lock. Deux gros trucs noirs avec des pneus énormes. Je lock. Ça part en. Flo, t'es prêt? Il dégage. Il nous a pas vu, il dégage. Ok. J'attends, tire pas s'il nous attaque pas. C'est bon, je l'ai. Flo. Et Siko, vous avez on est sur la droite, mais sur une légère crête en fait. Et on est vachement bien là. Vous êtes bien? Ok. Ah ouais, là okay. On surpompe très légèrement. Il y a un mec qui vient vers nous. Tu vois un gars? Ouais. Ah oui, je vois. C'est là, oui. Fais y voir. Oui, c'est là, ouais, c'est un Reliant. Ça tire. Ouais, c'est un Reliant. Il tire sur. Non, il tire sur un vaisseau qui est à l'avant-poste. Il y a définitivement. Alors, attendez, les gars. Il y a définitivement du monde dans le C2. Je viens de voir un type remonter la rampe. La rampe est baissée. Attendez.
Il y a... C'est quoi ça? C'est un Raven? Alors il y a un conseil qui essaye de se poser, qui va se faire défoncer. Il est en train de se faire allumer. C'est le Raven qui l'allume? Non, c'est un c'est Gladius. Le Hurricane... Non, c'est quoi? Il y a un c'est Gladius et il y a un Tana, ouais. Ouais, fait, si je... le Tana, et il va pas faire long feu. Le Constellation s'est posé. Bon, déjà, faut confirmer s'il y a quoi que ce soit à piquer dans le C2. La rampe avant est aussi... en fait, attends. Ah, tu penses que c'est mieux d'y aller par là? Tu penses qu'on peut tenter de faire un truc par l'avant? Ah bah les mecs, ils sont, je les ai vus, ils sont en train de charger, ils sont en train de charger à l'arrière. Donc le mieux, ce serait de passer par l'avant. Il va falloir qu'on fasse le tour. Je les vois. Vas-y, continue. Ouais, je continue de faire le tour. Hein. C'est presque beau, c'est... en fait. Alors, c'est un A2, en fait, je pense que c'est un C2. A2, ouais. Ouais, c'est peut-être celui qu'on a vu. Oh putain, ouais. Les gars, il y a un centurion au bout du A2. Lol. À la rampe c'est celui qui était avec nous tout à l'heure. Rampe avant du A2, il y a un centurion. Ouais, c'est le A2 qu'on a vu tout à l'heure. C'est le A2 qu'on a vu tout à l'heure. Ça passe en mode. Comment il s'appelle déjà le tronjeu, Baron? Elle est touche. Elle est touche. Je passe en mode. Elle est touche en train de ramper. Ça, c'est l'artillerie des joueurs là qui nous tombe dessus. Et alors, quand t'entends l'artillerie qui tombe, je peux te dire, tu te mets à plat ventre. Et tu pries quoi. Surtout quand ça tombe aussi près que ça me tombe là. J'ai vu qu'il y a les grenades de mettre en carte. Grosse efficacité. Allez. Je suis presque à couvert. Je pense qu'il faut avoir les yeux plus gros que le ventre et aller direct sur le C2 quoi. Même pas chercher à se battre avec les mecs. Chaud baron là. Ah mais il faut faire un truc efficace, ouais, il faut. Bon attends, je vais regarder un peu baron, ce qui se passe. T'es passé comme ça toi. Ouais, ah ouais, genre, lui, je sais quoi, il est allé direct à l'efficace, quoi. Vu d'ici, c'est impressionnant. Moi, je rampe, hein. Bah là, en même temps, je me suis shooté avec mon adrénaline à peine, donc je peux dire que même en armure lourde, je cours. Oui, pas faux. Je cours. Il y a Desclo qui nous dit, fais gaffe, quand vous allez prendre le poste du capitaine, ils veulent savoir de suite, hein, donc il va falloir être rapide. Hein. Quand vous allez le démarrer, ça, il va le savoir. Hein. Bah, il en faut un de nous qui reste en bas pour flinguer tous ceux qui voudraient essayer de monter. Et un nous qui va au truc de capitaine. On flingue tous ceux qui veulent sortir. Hein. Ok, j'arrive, Cyclone. C'est loin. Je vois quelqu'un FPS, attention. Ouais, je le vois aussi. Je crois pas qu'il nous ait vu. Il est rentré dedans. Ah ouais, non, il est rentré dedans. Il y en a un autre qui arrive vers vous, par-dessus. J'arrive pas à le scanner, je sais pas qui c'est, mais. C'est pas les vaisseaux qui vont nous faire peur, de toute façon. Ouf. C'est le centurion là, qui a pris. Ah non. Si, ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a explosé? Non. Je pense qu'il y a un dieu qui vous a balancé un truc d'en haut. Ouais, par contre, je vois le centurion, ouais, je le vois le centurion maintenant. J'en profite, hein. J'avance. Ouais, hein. Vas-y, c'est le moment. On y va. Tu prends le pilotage? Ouais, je vais au pilotage. Tu vas au pilotage? Ok. De toute façon, on flingue tout le monde. Ouais. Donc faites gaffe en décollant, c'est soit du A2, soit de l'éclipse au-dessus de vous. Ok, il est plein le. Je vois personne. Vas-y. Ça, j'arrive pas à faire fonctionner l'ascenseur, attends. Non, monte par l'échelle. Je monte par l'échelle. Il n'y a pas beaucoup de caisses. Vas-y, fais. Mais ils sont en train d'en mettre. Ils sont en train d'en mettre à l'intérieur. Okay. On est en pleine OPRS, on te répond juste après. Là, c'est un peu tendu là. Baron, je fais quoi? Je décolle tout de suite si j'ai l'occasion. Attends, ils sont en train de mettre des caisses. Ou est-ce qu'on est greedy ou pas? C'est ça la question en fait. Les enfoirés. Allez, vas-y, décolle, on s'y. Il y avait quelqu'un au poste du pilotage, je l'ai tué. Ah oui, génial. Il a décollé, il vous a vu, il a décollé. Je décolle, okay. je finis. Ouais, vas-y, on s'y. Fonce dans l'espace profond. Ah, il a repéré là, cassez-vous. Il y a juste nous deux et ce mec-là que t'as flingué. Il y a un vaisseau qui le spot, juste au-dessus à gauche. Ah, j'arrive pas à rentrer dans le poste de pilotage. Tu peux le lock? Ouais. Accepte, Alex, je peux pas rentrer dans le poste de pilotage d'ailleurs. Ici le wire. C'est bugué. Il est lock? Ouais, c'est comme ça. Ici le wire. Vas-y, ouais. Ah. Joli. Oh putain, oh, comme tu l'as explosé. Bon bah Alex Fitch il est plus là. Moi il je peux. Il a fait passer. Essaye Baron toi. Oh ouais, t'as ouais. Réussi ouais. Oh, si. Baron a réussi. Ok je cours. Allez, mais on arrose en bas nous. Oh mais putain c'est incroyable ça m'arrive. Ok je fonce à l'échelle. Barrez-vous. Génial. Oh mais t'en as les boules. Oh là. Pognon. Mets tout dans les shields, clear tout. Ouais, j'ai tout dans les shields. Allez, barre-toi. Je me prépare à faire un saut, je vais faire un saut vers Hearthstone. Oh, on se casse, on se lock, on se casse. Mais toi, ouais, on voit, direction le vide, hein. Ouais. Je vais vers Hearthstone. Oh, c'était beau. Oh là là, incroyable.
la violence du vol. Vous avez un gladius au cul, les gars. C'est bon, on est parti là. Ouais, c'est bon, on est parti, on est en canto. Alors, où est-ce qu'on s'installe? Un endroit peinard où on va pas avoir des gens tout le temps. On est au Gorka. Nous sommes en effet ici à Radio Zent. Moi, je dirais, on pourrait essayer de s'installer peut-être entre ici et Vishnaya, ou alors entre ici et Devil Castle. Il y a aussi dans Black Forest. Dans Black Forest, il y a aussi des coins pour installer. Ouais. Black Forest, ce serait bien. Hein. On redescend un peu vers le Black sud. Black Forest, ouais. Ouais, bah allez, hop. Trouver un bon endroit pour faire un petit campement de fortune. Ça marche. Let's go. On va vous montrer un peu s'il y a moyen de faire. Le bidon. Ah ouais, il y a le bidon, ouais, on pourrait aussi aller chercher le bidon. Bah il est juste là en bas de la route là. Par contre là je te vois plus là. Je suis passé derrière la haie. Je suis passé derrière la haie suivante, ouais, c'est vrai, tu vas vraiment pas vite. Attends. Où est-ce que t'es? Ouais, je suis là. Ouais, putain, t'es là. Vas-y, continue, hein. Mais ça va être long, hein. Ça va être long, hein. Au pire, tu sais ce qu'on fait, on planque à l'oreille du bois pour le changer de place. Et puis on va chercher un endroit où s'installer. Parce que là, en plus, on va mater, il va falloir se déplacer pour voir, pour trouver le bon endroit, quoi. Et puis on reviendra le chercher. Là, par là, là, c'est pas mal, hein. Ouais. Là, entre les sapins, là, en face. Alors vas-y, on va faire un petit tour. Rappelons-nous tout simplement de là où on a vu des endroits qui peuvent être intéressants. J'irais bien... Là, c'est pas mal. Ici, par ouais, exemple. Ouais, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ok. C'est le truc pour juste être sûr de pouvoir retrouver le camp après. Ici, il y a un spot. J'irais bien aller voir un peu plus loin aussi. Juste pour voir si on en trouve pas un encore mieux. Mais il faut quand même que ce soit un endroit significatif pour pouvoir le retrouver. Là, il y a de l'eau en dessous. Ah, il y a une espèce de petit lac, ouais. Ouais. Ah, c'est pas mal, là. Hein. Ouais, après, le lac, on sait qu'il y a des joueurs qui viennent pour voir. Mais bon. Ouais. Attends, où est-ce que c'était? C'est là. Ouais, là, c'est pas mal. Il y a plein de sapins. Voilà, là. Ici, là. Ouais, là, carrément. Entre ouais. tous ces sapins là. Ouais. Là, on est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ah, carrément. Pour construire des trucs de base. Alors là, c'est vraiment un truc super de base qu'on va construire. Ah ouais, alors par contre, faut qu'il soit blanc. Faut qu'il passe en blanc pour pouvoir. Ouais, construire. C'est ça. Ouais, et j'arrive pas. Il faut pas... que tu sois au bon emplacement. Ah, j'arrive pas à le construire ici. Généralement, c'est sur des endroits planes. Non. Ou alors un peu au-dessus. Alors derrière le sapin là, regarde. Ici. Ouais, mais c'est visible. Je serais plus d'avis. Je serais plus d'avis du coup qu'on retourne là où on avait vu un peu plus haut. Bah au-dessus là, alors regarde là. Ouais, mais c'est ultra. Ouais, on peut essayer là, ouais. Là, style là, regarde, je pense que ça peut le faire là. Vas-y, poussez-vous. Non, il veut pas parce que je pense qu'on est trop près des arbres. Alors ça, par contre, c'est casse-couille. Il y a un mode d'ailleurs qui existe pour pouvoir construire comme tu veux. Mais dans le Place vanilla, anywhere. dès que t'es trop près d'un truc et même un arbre et tout. Là, regarde là ici. Pas, là, je peux. C'est plat. Là, je peux. Ah bon bah c'est bon. Bon, on le construit là. Allez, vas-y. Oui, vas-y, ouais. Allez, c'est parti. Tiens, en même temps, faudrait vraiment pas de bol que quelqu'un tombe dessus. Ouais, bah après, c'est bien commencé, hein. T'as des mecs qui cherchent, les mecs qui trouvent. Hop, voilà, c'est bon. Alors, comment ça marche? Tu fais pour faire un feu dans les fourneaux, là, dans les baraques? Tu fais un kit de feu. Ouais. Et puis après, tu le places dedans. D'accord. Et après, tu démarres ton feu et c'est bon. Ok.
Et voilà. Ah, excellent, putain. C'est bien, hein, ça, dans les sapins. Hein. Ah ouais, c'est top. Ah bah ouais. Bon, ouais, on va aller chercher le tonneau. De nuit, ça sera moins dangereux. On risque moins de se faire sniper. Bon, après, au milieu des bois, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe par là. Mais il y a quand même des... Même en plein milieu des bois, il y a toujours des gens qui passent. En une semaine de DZ. Bon, moi, je vous quitte là. Ouais, ok, tu décolles là. Pas de soucis. Ouais, je décolle. Bon, bah, à plus. Attends, on est arrivé par le long de la route, là je sais ouais. Plus. Ouais, 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 on suivait cette route-là. Tu me vois ? Okay. L'avait laissé au milieu de sapin. Et ouais, je sais que ça a pas aidé beaucoup. Peut-être ici. Non, 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 c'est pas là. Non, non, c'est pas cette route-là. Non. Non, je me rappelle. On est encore dans la forêt, là. On n'est pas encore arrivé à la route de Gorka. Bon, je t'ai perdu. Bah, je suis le long de... Je suis le long du sentier, là. Tu vois toujours le sentier ? Ah ouais, là, je suis sur le sentier. Et sur le sentier, ok. Je suis en train de descendre sur le sentier. Ok. Ouais. Tu vois, en effet, de nuit, on peut suivre le sentier. Ça évitera de s'étonner, quoi. Par contre, j'aime pas me mettre juste sur le sentier parce que généralement, tu vois, il est plus clair. Il y a moyen de se... qu'on me voit. Donc, j'aime bien me mettre sur le côté le long de l'herbe. Ah. Ah. T'as entendu ? Ouais, bah ouais, bien sûr. Ce serait bien Gorka, justement. Possiblement Gorka. Tu veux qu'on aille faire un tour ? On peut. Gorka, c'est par là-bas. Attends, laisse-moi juste balayer aux jumelles. Ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Là, je vois rien. Non, tu vas rien voir parce que la ville elle est en contrebas en fait. Mais il y aurait moyen, tu vois, dans la maison là en face, je pense qu'il y a moyen. Non, mais tu vois, des fois qu'il y a un mec, tu sais, qui franchit la ligne de crête qui est devant. Ouais. Et je pense que des maisons qui sont là-bas, il y a peut-être moyen d'avoir un visuel sur la route principale de Gorka. Peut-être, peut-être. Let's go. Je disais, je vais passer en mode nuit, les gars. Parce qu'avec la lampe dans la gueule. Je ne vois rien. J'ai vu sur la route, je vois rien comme ça. Ouais, ouais. Si. Ici, j'ai une lumière en approche. Une lumière, ah, ça c'est cool. Ouais. Je vois une lumière. Une lumière, bien. À quel niveau ? Loin. T'es où, toi ? Planqué dans un sapin, à peu près... un peu à l'écart de la route. Quel côté de la route ? Droite ou gauche ? En descendant, côté droite. Ok, donc on est tous les deux du côté droit. Donc là, si le mec, il arrive, tu vois, au bout de la rue, là-bas, je vais le voir. Ouais, moi aussi, ouais, j'ai la rue en enfilade en effet. D'ailleurs, elle est à combien ? Je pense qu'il est reparti sur la gauche par contre. Si on n'est pas la peine d'être. Non, c'était un zombie ça là-bas. On n'est pas la peine d'être tous les deux sur cette rue. Je pourrais bouger sur la deuxième rue qu'il y a à Gorka. Ouais. Donc me décaler un peu sur la gauche. Ça roule. Moi je vais rester là parce que là franchement pour le Mosin c'est l'idéal. Ok. Je bouge. Ouais ouais. Là je vais beaucoup. Ouais là j'ai la deuxième rue en visuel, c'est clair. Ah. Je vois aussi Miyoko Miko. Ah, faut pas tirer dans ce jeu. Parce que ça attire du monde. Faut éviter de tirer pour rien. Il a peut-être pas tiré pour rien, hein, mais dès que tu tires. Comme dans SC, exactement. Ouais, dans SC. Baron. Ouais. Regarde au-delà du Comico, je vois de la fumée.
Sur la droite ou la gauche du Comico? Moi c'est sur la droite du Comico. Je vois rien. Je suis trop loin. Ah, de la fumée qui sort d'une maison? D'accord. Ouais. Ok, je vais revenir vers toi alors. Derrière, donc là je vois plus de fumée. Je suis derrière toi. T'es derrière moi, d'accord. T'as entendu? Ouais, c'est moi qui viens de faire ce bruit. Je vais rentrer, hein. Il va bien falloir rentrer. J'ai une fenêtre ouverte, là je vais balancer une grenade dedans. Vas-y. Dis-moi quand t'es près de la porte, des fois que le mec sorte. Je suis dedans. Ok, je balance rien. Balance rien, y'a personne là-dedans. D'accord. Ah, c'est après, c'est la maison d'après, plus loin. C'est la maison d'après, avec l'an. Oui, avec oui, oui, que oui. Là je la vois la fumée. Ouais. Tu la vois? Ouais, là je la vois. Et un tiré un peu plus loin. Ah ouais. Vas-y, je suis à côté de toi de nouveau. Ok. Et alors les shotguns, c'est pas ceux de SC par contre, Relic. Là, ils sont vraiment efficaces. Et même d'assez loin. Ouais, le mec sort. Ils sont deux. On en a eu un. Le deuxième est là. Non, c'est un zombie. Le deuxième, à mon avis, on va l'avoir raté. Bref. Tu l'as eu? Non, c'était un Z. À mon avis, le mec s'est tiré. Ils nous ont pas vu arriver, on est arrivé super lentement. Il y a plein de Z qui arrivent ici. Viens dans la baraque. Je vais surtout essayer de les enfermer dans une grange. Ferme. Voilà. Ok. C'est bon. Tu les as enfermés? Non, j'ai enfermé les Z. Il y en avait 4. Je vais looter le mec. Ok, je ressors. Il a une PU-scope pour moi. Ok. Je repars. Let's go. Ok, je te vois. J'attends que tu passes, il faut qu'il y ait un mec qui suive. Ouais. Et j'arrive. Ok. Tire-nous. Je suis derrière toi. Et on va aller chercher le tonneau. On devrait pas tarder à tomber dessus. Ouais, je pense qu'on devrait pas tarder à tomber dessus en effet. La maison elle est juste là en bas. Bah vas-y, cherche-le, hein. Comme ça j'irai directement vers toi. Ah, je crois que je le vois, il est juste devant nous. Il est là, il est droit devant. Droit dessus. Joli. Voilà, on fait un deuxième, c'est clair. Là, on fait un deuxième dans l'autre sens. Pose le tonneau, bim. Il y a le PU-scope aussi, je l'ai toujours pas montré. PU-scope qu'on a chopé sur ce mec là, certainement le meilleur truc qu'on ait chopé sur lui. Avec le matos qu'on a pour le moment.
Je sais plus d'ailleurs si Flo a un piscope. Parce que s'il en a pas, ça vaudrait le coup que je lui donne. Pour son Mosine. Heureux. C'est pas la meilleure lunette du jeu, hein. Loin de là, mais elle va sur le SKS, elle est pas mal. T'as un périscope, toi ? Un quoi ? Pour le... Ah, une lunette pour le Mosine ? Ouais, j'en ai une. Flo ! Ouais ? J'ai trouvé une planque de mec dans un sapin ! T'es où ? Ouah ! Tout ce qu'ils ont ! Ce qu'ils ont. T'es où? Je les emmène. Attends. Je suis dans les sapins, pas très loin de là où on est, quoi. Oh putain. Il va falloir qu'on se barre, quoi. Il va falloir qu'on se barre, ouais. Non, mais faut qu'on emmène tout ça. Faut qu'on planque tout ça dans à côté de là où nous on est. Ouais, je te vois. Regarde, je suis à ta derrière, toi. Ouais, c'est bon. Regarde. Les crates, ils sont là, et ils sont dans le sapin qui est là. Non mais regarde, tu vas capoter, quoi. Ah ouais. Moi, je vais me prendre l'AK-74 aussi, puisque j'ai des balles. Ah oui, quoi, en effet, quoi, ouais. Ouais, mais t'as vu, tiens, tu veux le M16? Alors attends. Faut qu'on emmène ça, hein. Faut que... Pas rester là 10 milliards d'années, enfin tu me diras, on est en plein milieu des bois, donc ça va. Mais et de retrouver la base. Reste là pour le moment. Ouais. Quand je vais revenir. Ok, équipe-toi. Comme il faut. Mais ah oui, mais c'est juste à côté. Mais on est juste à côté. C'est ça le pire. Ah ouais, non, mais on peut pas laisser ça là, quoi. Les mecs, c'est clair qu'ils vont retomber dessus, quoi. Ils vont retomber dessus. Ou alors, avec la pelle, faut tout enterrer, quoi. Parce qu'avec la pelle, tu peux enterrer du butin, quoi. Tu sais quoi? Tu sais quoi? On va mettre tout dans les sapins qui étaient en dessous, là. On a voulu mettre la base d'abord, et je pense qu'on va tout enterrer.